Persona Complex. Please, identify yourself. I repeat, please, identify yourself. Hello, Control Towers. This is Ether French Pilot, Shuttle Register Red, LSS 243 French. I repeat, LSS 243 French. All right, please, stay in stationary speed. I will put you in touch with the French center of the complex. Thank you, we're great. Ici Jérémy du Sierra Lunaire, bonjour Ethel, ça va? On t'attendait. La route a pas été trop longue? Salut Jérémy, ouais ça va, j'avais pris de quoi m'occuper. Heureusement que je fais pas ça tous les jours. Ouais, tu m'étonnes. Bon, dirige-toi vers le hangar 12, là je t'ouvre la porte dans quelques secondes. A tout de suite. Pas de soucis, on fait comme ça, à tout de suite. Ça, c'est fait. Allez, on appelle Karl. Ethel à Karl, je m'approche de la base lunaire. Tout s'est bien passé, je mets fin à la transmission vidéo. A plus. Karl à Ethel, parfait. Entre contact plus tard. À bientôt, Ethel. LSS 243 French, you can get out of the device. Please, proceed to the control room before going to the clock room and waiting room. Ok, bon, normalement c'est interdit de filmer dans la base lunaire. C'est normal, c'est secret défense. Mais bon, je me fais une petite vidéo perso avec ma petite caméra espion que j'ai cachée dans mes lunettes. Allez, c'est parti, on y va. Le Centre d'études et de recherche aérospatiale lunaire vous souhaite la bienvenue sur la Lune. Satellite naturel de la Terre, la Lune est aussi le cinquième plus grand satellite du système solaire, et son âge est estimé à plus de 4,4 milliards d'années. Elle aurait été créée après la collision entre la Terre et un petit objet céleste appelé Theia. Observée par l'homme depuis des milliers d'années, la Lune devient, le 21 juillet 1969, le premier objet non terrestre visité par l'homme. La Lune ne possède pas d'atmosphère, et son champ magnétique est 1000 fois plus faible que celui de la Terre. Sa trajectoire autour de la planète est elliptique. À son apogée, la Lune se trouve à 406 700 km de la Terre, alors qu'à son périgée, elle se trouve à 356 400 km. Elle en fait le tour en 2 jours et demi, et tourne sur elle-même en un peu plus de 27 jours. Ces deux rotations, quasiment similaires, permettent aux habitants de la Terre de ne voir qu'un seul hémisphère de l'astre, appelé face visible de la Lune. Le Sierra est situé au bassin pôle sud Aitken, dans une zone constamment éclairée par le soleil. Oh, ce qui permet à la structure d'être alimentée. Ah, salut Jérôme. Salut Ed. Bon, le voyage s'est bien passé, pas trop de turbulences? Bah écoute, pour une fois qu'un petit metteur me frôle pas, je vais pas me plaindre. Bon allez, viens, on va dans mon bureau. Sacrée mutation quand même, ça doit pas être facile à vivre pour ta famille. Bon, tu sais, on se doutait que ça arriverait, on connaissait les risques. Mais bon, 2 ans ici ça me suffit, plus que 6 mois je les reverrai. Ouais, 2 ans c'est déjà pas mal. Vous avez beau vous terrer sous la surface, à chaque sortie vous devez subir un minimum de radiation, non? Bon, franchement, à ce niveau-là on va pas se plaindre, hein. Les combinaisons nous protègent bien. Et en fait, tiens, voilà les derniers comptes rendus, là. On les a transmis à la base il y a 2 heures, mais j'imagine que ça t'intéresse. Ah oui, en effet, merci. Ouais, je les lirai plus tard. Dis-moi, vous êtes combien sur la base actuellement? Bah on est 50 je crois, mais franchement c'est déjà trop. Hein. Je te dirais que pour entretenir 5 modules on est large. Je pense qu'on a au moins 7 voire 8 scientifiques en trop. Et ils sont là pour faire quoi exactement? Il y en a qui font passer des tests physiques pour préparer l'homme à de futurs voyages, et puis il y en a d'autres qui étudient la faune lunaire. C'est comme s'il y avait quelque chose à voir quoi. Oh, je suis sûr qu'il y a quand même toujours quelque chose à découvrir. Ouais, bon tiens, on va monter dans mon bureau, je vais te montrer quelque chose. Et voilà. J'avoue que c'est un spectacle étonnant. Des cailloux et encore des cailloux. Et de l'eau. Oui, non mais d'accord, mais bon, elle est en dessous. Je commence à me demander pourquoi t'es envoyé là, franchement. Bah tout simplement parce que je suis le meilleur ingénieur forage sur Terre. C'est moi le numéro 1.
Et les chevilles, ça va ? Ouais, j'avoue que j'ai commencé à avoir un peu de mal à rentrer dans mes bottes, là, tu vois. Bon, et toi, sinon, t'as quoi de prévu pour la suite ? Bah écoute, pour l'instant, je sais pas, j'attends les ordres. J'ai entendu parler d'un trou de verre qui aurait été détecté pas trop loin, mais bon. Je vais déjà passer quelques jours avec vous et après on verra. Eh bien alors, laisse-moi te dire, profitons de ces quelques jours, mon cher ami. Comme tu dis, profitons. Tout le monde n'a pas cette chance.